Annie et Jean-Claude viennent d'avoir un enfant. Jean-Claude a 34 ans, il est cheminot, et Annie a 31 ans, elle est institutrice. Ils ont quelques économies de côté et leur plan épargne-logement est arrivé à terme depuis peu. Ils ont alors décidé de déménager de leur petit appartement pour construire leur propre maison où ils pourront élever leurs enfants en paix. Grâce à leur pécule, ils vont pouvoir acheter un petit bout de terre et y construire leur demeure. Annie et Jean-Claude ont trouvé un terrain quelque part dans la non lointaine périphérie de la ville où ils travaillent tous les deux. C'est une petite parcelle d'une poignée d'arts située au cœur de ce qui devrait bientôt devenir, grâce à quelques familles comme eux, un joli lotissement. Voilà donc ce qui sera le terrain d'Annie et Jean-Claude. En somme, c'est un terrain comme celui des autres, dans une petite banlieue comme on en trouve partout, pour y nicher une vie comme celle de tout le monde. Seulement voilà. Annie et Jean-Claude ne sont ni snobs, ni particulièrement difficiles, mais ils ont beau faire 5 fois le tour de tous les catalogues de maisons accessibles à leur bourse, ils n'ont rien trouvé du tout, qui soit dans leur prix et à leur goût. Pourtant, certains promoteurs ont su se faire très insistants. Ah tiens, voilà le promoteur. Qui n'a pas perdu de temps. Eh bien, messieurs, dames, vous avez trouvé votre bonheur? Alors, mes bons amis, signez donc. Elles ne sont pas si mal, mes maisons. Oh... Vous hésitez? Je vous offre généreusement 1% d'intérêt à partir de la 15e année. Oh non, vos maisons ne nous intéressent pas. Nous, ce que nous voulons, c'est un foyer pour y installer notre famille. Et pour y vivre, et pas une... Vous êtes bien difficile, je trouve. Et arrogant en plus de ça. Non mais pour qui vous prenez-vous? Mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous croyez? Avec votre petit budget et votre petite vie minable, vous n'avez pas le choix de toute manière. Mais pour qui ils se prennent ces deux-là? Vous reviendrez me supplier. Il est pourtant pas si fou que ça, notre rêve de maison. Et tu crois vraiment qu'on pourrait construire une si grande maison en si peu de temps avec notre petit budget? Mais bien sûr, Annie, on est en 2001. Il nous faut une maison légère et évolutive. Oui, mais notre terrain est si petit, elle prendra toute la place. Écoute, Annie, notre terrain, c'est notre maison. Salut fiston. Ah bah Léon, c'est une drôle d'histoire ça, hein. On a bien rigolé. Ah oui. Bon, regarde, je ferme le garage et on y va. Allez. C'était une bonne idée de surélever la maison pour gagner de la place. Bien sûr. Et les enfants pourront jouer dehors même s'il pleut. Mais pour l'intérieur, comment t'imagines l'ambiance avec de tels matériaux? D'abord, j'imagine une grande cuisine ouverte où tu pourras exprimer tes talents de cuisinier. Ah, voilà nos invités. C'est pas mal du tout ton idée de lumière colorée. Comme ça, la maison changera en fonction des saisons. Ah hein. Et la nuit, notre maison ressemblera à une petite lanterne dans le lotissement. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Oui, c'est idyllique tout ça. Mais à mon avis, quand les enfants seront plus grands ou qu'ils commenceront à vouloir plus d'autonomie, c'est là que les problèmes vont commencer. Non, tu crois? Qu'est-ce que tu fais, papa? Là, je me construis une cabane à outils. Ouais, bah au lieu de construire ta cabane à outils, tu ferais mieux de me refaire ma chambre. Dès que j'écoute de l'Asie, je réveille tout le monde. Puis je peux pas recevoir mes potes tranquilles. On verra ça un peu plus tard, hein. Puis moi un coup de main là. Plus tard, avec toi c'est toujours plus tard. Ouais, elle est nickel ta nouvelle piole, elle est super grande. Pas, ça fait 2 ans que je bataille avec mon père pour l'avoir. Bon allez, ciao. Maman? Oui ma chérie? Tu sais, ça fait déjà 2 ans que je fais du piano et avec ma copine Sarah, qui joue de la flûte, on travaille un petit concert ensemble. C'est très bien ma chérie. Ouais, mais faudrait que je m'entraîne plus. Et pour ça, il me faudrait un piano. Tu en as parlé à ton père? Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Maman, maman, tu m'aides à manger l'ordi. Bah attends, il te faut des prises de courant pour ça. Regarde, on va t'en installer. Allez, il n'y en a pas pour longtemps. Toc. Et voilà. Tiens, passe-moi les prises. Et voilà. Eh ben, après tout ça, on aura bien mérité un peu de repos. Ce serait bien. Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Non, rien, je rêvais. Mais tu verras, on sera bien ici.